Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on est parti à Disneyland. Vous voyez derrière moi, là, il y a un petit bonhomme. Eh ben, c'est Mathis, c'est mon fils de 9 ans. Je passe la journée aujourd'hui avec lui. Salut Matt. Salut. C'est parti pour une super journée. On est go les copains. Alors, il est 9h, donc on est passé facilement les bagages, la de sécurité, c'était avec. Maintenant, on va essayer de voir en espérant qu'on n'a pas trop de monde pour rentrer dans le parc. Et voilà, toujours mon kangourou qui est là derrière. J'ai passé la journée avec lui. On va bien s'amuser, je le sens, on va faire pas mal d'attractions avec, il adore. Allez, on est go les amis, c'est parti. Alors, ce que je vais tenter de faire aujourd'hui, c'est d'avoir une place au restaurant Walt pour venir le 14 juillet. Il y a pile 2 mois, donc on tente aujourd'hui. Je dirai si j'ai réussi à avoir une place et si j'ai réussi, en espérant, je vous ferai une vidéo du restaurant Walt le 14 juillet. Allez, on espère, on va directement voir si on s'est réservé. Bon, pas encore trop de monde, ça a l'air d'aller. Hein. Pour 9h, ça a l'air impeccable. Hein. On continue. On va rentrer dans notre parc préféré. Mickey. Bon, on vient du City Hall. Je suis trop contente. Le 14 juillet, on va manger au restaurant Le Walt. Donc, ça fera partie de ma prochaine vidéo du mois de juillet. Ça va être trop bien. Je suis trop contente. Allez, on est parti pour la journée. Elle commence super bien. Alors... Tinkerbell Dream a acheté sa casquette Tinkerbell. Donc voilà, c'est bon, j'ai ma casquette pour la journée. Vu comment il va faire très très chaud, on y va, ça va être une super journée les copains. Là, hop. Et nous avons le restaurant Le Walt là-bas, juste là, qui sera prévu pour le 14 juillet. Fête nationale en France en plus, ça va être super, ça va être une magnifique journée ce jour-là. Notre carrousel de Lancelot. Oh, avec ses magnifiques chevaux. Hein. Alors, on va devoir faire des détours parce qu'il y a de plus en plus de choses fermées, bloquées. Ah là là, ça devient compliqué. Hein. Alors, est-ce qu'on passe par Pinocchio pour pouvoir passer de l'autre côté? Oui. En passant par Pinocchio, on va y arriver. Ça devient très compliqué avec tous ces panneaux. Bon, beaucoup de panneaux pour passer pour arriver à Peter Pan. Il n'y a que ça, des panneaux ici. Bon, ben on y va. On croise les doigts qu'il n'y a pas trop de monde à Peter Pan. On avance, on avance. J'espère qu'on va pouvoir le faire sans avoir trop de monde. Il n'y a rien au niveau de l'attente. Il n'y a pas de temps d'attente. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il est bloqué. En panne. Alors il est 9h et notre... Ouais, Peter Pan est déjà en panne. Super. Bon, on va partir sur une autre attraction alors. Bon, Peter Pan déjà en panne, 9h15, ça commence. Donc bon, ouais, on va partir sur une autre attraction. Direction Big Thunder après Pirates des Caraïbes. Alors, sur l'application est noté 20 minutes au niveau de l'attente Big Thunder. J'espère qu'il n'y a que 20 minutes. Donc, on est parti, on va faire un tour de Big Thunder. Mon attraction préférée. J'adore cette attraction. Et là mon loulou, il est encore à côté de moi. Alors Pirates des Caraïbes, Mathis. Génial. Ton attraction préférée? Ouais. Un petit passage devant le bateau du Capitaine Crochet. En partant directement sur Big Thunder. Oh, qu'est-ce qui est beau ce bateau. J'adore me balader dans ce parc. Et on suit le rythme de la musique. Et ça bouge, et ça bouge. J'y vais le rythme. Après cette petite danse, on arrive enfin à Big Thunder. On va voir s'il n'y a que 20 minutes d'attente.
Oh là 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 là, ça craint, je vois du monde, je vois du monde. Oh, les 20 minutes d'attente, je pense qu'ils sont rallongés. Bon, au lieu de 20 minutes, le temps qu'on arrive, il y a 35 minutes d'attente. Bon, on est parti pour 35 minutes d'attente. De toute façon, on est un samedi, il y a du monde, pas le choix. On va tenter Star Tour, 45 minutes d'attente. Bon, on y va quand même, on verra bien. C'est parti, sinon on ne fera rien. On est parti faire Mickey le magicien, il est midi, donc on va aller assez tôt pour essayer d'avoir une bonne place. Allez, c'est parti, on est au studio. T'as vu Dingo, Matt? Voilà. Génial, on a Dingo. Welcome to my workshop, Mickey. Comme tu le vois, ça mérite un bon coup de balai. As you can see, it needs a good clean. Oui, monsieur le magicien, mais j'ai hâte de faire de la magie. Oh, but you can't practice your magic, Mickey, until this room is spotless. Oh, oui, monsieur. D'accord. Cet atelier sera impeccable avant que je fasse de la magie. And one last thing. C'est la réponse magique pour vous la fille. Second verse, for no man meeting.
drinking lunch, and then you'll be our guest. Be our guest, be our guest. Dreamfest Story, c'est parti! Mais qui est-ce qui ne rêve pas ici? C'est moi! Axel, you don't have a dream! Mais Axel, tu n'as pas de rêve! Pourquoi? Ben, regardez-moi, j'ai rien de particulier. Si je vous disais, je rêve d'être chic! Ah hein? Extraordinaire? Ah Maxime! Maxime! Non, tout le monde se moque! Being fancy, while I will be the same, everything is like a dance.
Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait deux spectacles. Hein? Le spectacle de Mickey. Mickey le magicien. Et on a fait Dream Factory. Donc ça nous fait deux spectacles pour aujourd'hui. Vu le monde qu'il y a et vu comment il fait chaud, on est au frais. Bon, maintenant, on va voir ce qu'on peut faire encore au studio parce qu'il y a un monde de dingue. Mais de dingue, c'est compliqué de pouvoir faire des attractions aujourd'hui. Hein. Heureusement qu'il y a des spectacles. Ce sera une journée autre que d'habitude. Bon, on continue notre balade. Hein. Un personnage Disney. Alors pour ça, on va s'échauffer. We need to warm up everyone. So, pencil up in the air, please. Les crayons en l'air, s'il vous plaît. Et on tourne le poignet comme ceci. Then we turn the wrist the other way around. And then just to make sure we do the whole arm. Well, there you go. Voilà, très bien. On a bien échauffé. Ça, c'est de l'échauffement. On va dessiner un dragon. We are going to draw a dragon. Now, at the end, your drawing is supposed to look like this. Alors ce mouchou Matisse, montre-moi ton mouchou, le mouchou de Matisse. Ouh, le mouchou de Matisse. Alors t'adores cette... T'aimes bien? Oui. Je vois pas ta tête. Aïe, il est caché sur la casquette. Donc mon Matisse, qui a passé sa journée avec sa maman, a été dessiné mouchou. Bon, il a essayé de tenter d'avoir le grand dessin. Ça n'a pas fonctionné cette fois-ci, on ne peut pas avoir le grand dessin à chaque fois qu'on vient. Allez, on continue, mais il y a énormément de monde, ça va être compliqué pour faire quelque chose. Bon, bah, c'est la journée un peu spectacle, un peu autre que d'habitude, on se promène, on fait d'autres choses qu'on ne fait pas forcément habituellement. Allez, on va sortir du studio ici et on va retourner sur le parc Disneyland Paris. Bon, on est reparti sur le Disneyland, on vient de voir qu'il y a un grand panneau, il est marqué parc complet. Donc ça ne m'étonne même pas les temps d'attente, c'est une horreur. Une horreur, mais bon, on se promène, ça fait du bien. Regarde là-haut en bas. Il fait chaud un peu aujourd'hui, je fais l'après-midi, le dimanche. Il y a du sable, mais si tu veux, sinon. Je vous remercie. Désolé, j'ai commencé à le manger. Je me suis repris un super cookies. Au lieu de 5 euros, il est passé à 2,25 euros avec l'abonnement, c'est encore mieux. Donc il est toujours aussi bon. Donc on le mange. J'ai un petit creux. Oh, c'est bon. J'adore ce cookies de chocolat panier. Miam, miam. C'est pour la vie.
journée avec Mathis vous aura plu. Et on vous dit à très bientôt avec mon incrusteur du jour. Ouais. Au revoir les amis, à bientôt pour une nouvelle vidéo à Disneyland Paris.